God is so awesome. Dieu est tellement formidable. And this is a joyous occasion. Et c'est une occasion très joyeuse. And it's also an occasion of grief. Et c'est aussi une occasion de tristesse. Because Parce when que you enter the gospel, quand tu entres dans l'évangile, it is a terrible, terrible, terrible terror. C'est une terreur très, très terrible, terrible, terrible. You become the most hunted people on earth. Et tu deviens la personne la plus recherchée sur Satan la terre. Satan becomes your greatest enemy. Et Satan devient le plus grand ennemi de and ta I vie. Told my daughter, she can sit there calmly. Et j'ai dit à ma fille, tu peux t'asseoir là calmement. She's not ready for this step. Mais tu n'es pas prêt pour cette étape. If you can sit calmly, si tu peux t'asseoir calmement, can be relaxed at a time like this, et si tu peux t'asseoir calmement et être relax dans un temps you're comme not ça, ready for step. Tu n'es pas prêt pour cette it étape. Is horrific. Parce que ça fait peur. I can't tell you the pain that comes upon you immediately. Je ne peux même pas vous expliquer la douleur because qui vient of the burden of the gospel. À cause de la charge du fardeau de l'évangile. When God spoke to me, quand Dieu m'a parlé, after I already been ordained, après que j'ai été consacré,
I was in Rome and j'étais en Rome. I remember there was a rope just like this. Et je me souviens, il y avait une corde comme ça. And they opened it up and et ils l'ont ouverte. The apostle's tomb was on the floor. Et il y avait la tombe de l'apôtre Paul par and terre. And the guide said his head was there. Et le monsieur a dit, voici où on l'avait placé. And it tore me up inside. Et ça m'a déchiré à l'intérieur. I said, what do you mean his head is not there? Et il a dit, sa tête n'est pas là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, sa tête n'est pas là? They only gave us the body. Il a dit, ils nous ont seulement ramené le corps. And I said, it's okay, because Christ is the head. Et j'ai dit, c'est pas grave, parce que c'est Jésus qui est le chef, la tête. When I stood on top of that tomb, et quand je me suis tenu debout, I'll never forget, the lights got very bright inside. Je peux jamais oublier, les lumières sont devenues très claires. There were Chinese that were with us on the tour. Et il y avait des touristes chinois qui étaient là avec nous. And they stopped taking pictures. Et ils ont arrêté de prendre des photos. And they asked my mother, what is going on? Et ils ont demandé à ma mère, qu'est-ce qui se passe? And she told them God is calling him. Et elle leur a dit que Dieu est en train de l'appeler. There are many apostles, so-called apostles out there. Il y a plusieurs de soi-disant apôtres. There has to be a sign from God that you've been called. Mais il faut avoir un signe de la part de Dieu qui montre que tu as été appelé. A sign from God, not un signe de Dieu. Not the way you preach. Pas seulement la manière que tu prêches. Not the way you teach. Pas la manière que tu enseignes. But a sign for God for the position. Mais un signe qui vient de Dieu pour la position. Because you prophesy doesn't make you a prophet. Seulement parce que tu prophétises ne veut pas dire que tu es un prophète. That's an office. Ça c'est seulement une fonction. And so now. Donc maintenant, I take this very seriously. Je prends ça très sérieusement. Because when you put your name next to someone, parce que quand tu mets ton nom à côté de quelqu'un, you're responsible for them. Maintenant, tu es responsable pour and eux. Before God, you're responsible. Et aussi devant Dieu, tu es responsable. So it's a very serious moment. Donc c'est un moment très sérieux. I want to read a scripture. J'aimerais lire une écriture. From 2 Timothy 4. De 2 Timothée 4. You can still smile. Vous pouvez toujours sourire. Embark on this journey. Et pendant qu'on embarque dans cette dans ce chemin, we have to support. Nous devons soutenir. We have to support. Nous devons soutenir. When God went into the wilderness, quand Jesus went into the wilderness, quand Jésus est entré dans le désert, the enemy was there. L'ennemi était là. It's like in ordination. Comme dans cette ordination. There are enemies here. Il y a des ennemis qui sont là. I'm also a prophet. Je suis un prophète aussi. But I do say this. Mais je peux dire ceci. I'm not a father by word. Je ne suis pas seulement un père par des mots. That if anyone comes between the two of us, et si quelqu'un and between the Lord, si quelqu'un essaie de venir entre nous deux et entre l'Éternel, you're going to have a lot to deal with. Tu auras beaucoup de problèmes. Walk in love. Marcher dans l'amour. Walk in charity. Marcher dans la charité. Never should a believer come against another believer. Il ne faut pas laisser un chrétien venir contre un autre chrétien. Amen. 2 Timothy 4, 1 says this. 2 Timothée 4, verset 1. I charge thee therefore before God. Je t'en conjure devant Dieu. Jesus Christ. Et devant Jésus Christ. Who shall judge the quick and the dead. Qui doit juger les vivants et les morts. At his appearing. Et au nom de son apparition. Preach the word. Et de son royaume. Prêche preach la parole. Prêche la parole. Preach the word. Prêche la parole. In season. Ainsi sont toutes occasions. Out of season. Favorable ou non. Reprove, rebuke. Reprend. And exhort. Censure, exhorte. With all long suffering and doctrine. Avec toute douceur et en instruisant. Preach the word. Prêche la parole. When it's popular. Quand c'est populaire. Preach the word when it's not popular. Prêche la parole quand ce n'est pas populaire. Rebuke and reprove. Et reprend et reproche. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? As men and women of God, we have to watch ourselves. En tant que serviteurs et servantes de Dieu, on doit faire told, attention. As I travel. Quand je voyage. Well, you don't know the customs of our land. On me dit toujours, oh, tu connais pas you la don't understand. De they don't tel, do that here. Tel pays. Tu comprends pas ici, on fait the pas Bible ça. Is the Bible Mais la Bible is the Bible. C'est la Bible et c'est la Bible. And we don't change it because of culture. Et on peut pas la changer à cause de la culture. We don't change it because of popularity. On ne peut pas la changer à we don't change it because populaire. We're afraid we might on lose members. On ne peut pas la changer parce qu'on a peur de perdre les we fidèles. Speak the word. Nous devons prêcher la parole. Whether it's received or not received. Que, même si les gens le reçoivent ou pas. With long suffering. Avec la souffrance. That means, ça veut dire, according to the word of God, selon la parole de Dieu, every man who stood preaching, tout homme qui s'est mis devant la chair or woman, pour prêcher ou femme, every, tout cela, has had to ask for forgiveness before they spoke. Ont dû demander pardon avant de prêcher.
Everyone. Chacun d'eux. Except for one. Sauf un. And he was made high priest of et all. Il est le grand sacrificateur. Jesus Christ. Jésus-Christ. So as this woman goes forward, donc pendant que cette femme va aller en avant, she's going in the perfection of Christ, elle entre dans la perfection de Christ. But she's not perfect. Mais elle n'est pas parfaite. Nor will she ever be perfect. Elle ne serait jamais parfaite. Nor will I ever be perfect. Et je ne serai jamais parfaite. So we're so perfect not to put people on a pedestal because they're here. Donc on doit faire attention de pas mettre les gens dans un plateau parce qu'ils sont this ici. This is an humbling place. C'est une place qui nous rend humbles. There's no comfort. C'est une place où on ne peut pas être à l'aise. Except in the releasing of the word. Seulement quand on libère la parole. In the book of John, chapter 15. Dans le livre de Jean, chapitre 15. Something here, another word from God. Vous allez recevoir une parole de Dieu. Verse 16. Verset 16. Jesus says, Jésus dit, "You have not chosen me, but I have chosen you. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais and moi je vous ai ordained choisi, you, et je vous ai établi, that you should go and bring forth fruit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. That you should go and bring forth fruit, que vous portiez du fruit." I get so angry. Je me fâche tellement. Because in this time, parce que dans ce temps, we have stopped bringing forth fruit. Nous avons arrêté de produire des fruits. We eat. On mange. We work. On travaille. We take care of the family. On prend soin de nos familles. We go to sleep. On part dormir. We go to church. Et on part à l'église. Where's the fruit? Où sont les fruits? Where is the proof that you are called by Jesus Christ? Où est la preuve que tu es appelé par Jésus Christ? Where is the proof? Où est la preuve of the anointing on your life? De l'onction sur ta vie. You ask God for more anointing. Tu demandes à Dieu pour plus d'onction. For what? Pourquoi? To go home? Pour rentrer chez toi? No, to bring in more fruit. C'est pour produire plus de fruits. The anointing is not to fight the devil. L'onction ce n'est pas pour combattre le diable. He's already lost. Il a déjà perdu. Why are we spending our time fighting the devil? Pourquoi on gaspille notre temps we go forth in the power. On doit aller en we go forth in pouvoir, the might. We go forth in the joy. On avance avec that la joie. Everything was done before we were born. Et tout a été déjà fait avant notre naissance. Because he is the word. Parce que il est la parole. He is the word. Il est la parole. He's not this. He il is the word. Ça, il est la parole. He is the word. Il est la parole. And when I accept Jesus Christ et quand j'accepte Jésus and his calling et son appel, when I speak quand je parle, Paul said Paul power comes. Il y a le pouvoir. I may not preach as hard as someone else. Prêche pas dur but when I speak, the anointing quand je comes. Parle, il y a l'onction. Because the word is in parce me. Que la parole est en he moi. Is the anointing. Il est l'onction. He is the anointed one. Il est celui qui when le I moi. Take him inside quand je le prends and I say moi, what he says, et je dis ce qu'il dit, circumstances change. Les circonstances changent. Life changes. La vie change. Ministry changes. Le ministère change. Power changes. La puissance miracles change. Miracles change. Visions change. Les visions people change. Because of the power and the might of Jesus. C'est la force de Jésus Christ. It's not by how I can preach, ce n'est pas par but it's the word inside of me that rejuvenates, moi, that empowers, qui that consecrates me for the work me of the ministry. Pour l'œuvre de la mission. So it's the word. Donc c'est la parole. It's the word. C'est la parole. This is what he said. Ceci, c'est ce qu'il a dit. But I charge you mais je te charge to let the word speak for you. De laisser la parole parler pour toi. Many times I've been in Brazil. Plusieurs fois je suis allé au Brésil. And I faced very dangerous obstacles. Et j'ai affronté beaucoup des obstacles très snipers, dangereux. Des snipers. All types of things have happened. Plusieurs choses qui se sont passées là. Because I'm an apostle. Parce que je suis un apôtre. I'm not a pastor. Je ne so suis pas un pasteur. I go to dangerous places. Donc je pars dans les lieux dangereux. But even in those times, mais même dans ces temps-là, it's the spirit of God, c'est l'esprit de the Dieu, faith in God, la foi en Dieu, that changes a man or woman qui of God. Change un serviteur ou une servante we de Dieu. All fear nous avons tous peur, until the power comes. Mais quand la puissance vient, we don't know what's going to happen. On ne sait pas ce but when va the se passer, anointing comes, mais quand l'onction vient sur nous, you can place a bullet in front of our face, anything. Mettre une balle, une arme devant nous, and we're able to stand. Faire, mais on peut se it tenir. Is the faith. C'est la foi. What is the faith? Quelle est la foi? What is the faith? Quelle est la foi? A belief. Quelque chose qu'on croit. A knowing. Une connaissance. Of a place. D'une place. That is more powerful than where we exist. Qui est plus puissant que où nous existons. It's more powerful. C'est plus puissant. Because the spirit realm is the real realm. Parce not que le monde spirituel physical. Est le monde véritable. And that's where we reach in as men of God and women of God. Et c'est où we on reach entre, into the place that we cannot see Dieu, on entre and dans extract le lieu qu'on power peut pas voir, et on retire from de la what we've seen our Father do. De ce qu'on voit notre Père faire.
But we can't wait for that. Mais on ne peut pas attendre. Because he said, parce qu'il a dit, that we would do greater works. Que nous allons faire des plus grandes œuvres. Because he went to the Father before. Parce que c'est le Père qui a fait avant nous. So daughter, I tell you this. Donc ma fille, je te le dis ceci. God has called you to greater works. Je t'ai appelé à faire des plus grandes œuvres. Greater works than they have been written. Des plus grandes œuvres qui ont été écrites. He's called you to do greater things. Il vous a appelé à faire des plus grandes because choses. Because his spirit abides inside of you. Parce que son esprit demeure I got en other, nous. I have other scriptures. J'ai des autres écritures. I can't even touch them. Mais je peux même pas toucher. Because the Holy Spirit is moving parce right now. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir He's maintenant. He's charging us. Il nous charge. To bear fruit. Pour produire des Not fruits. Religion. Pas la religion. I left home and on Sunday I preached et dimanche passé, j'avais prêché about religion. À propos de la religion. And while I was gone, someone was speaking in the very things that I rebuked about. It infuriated me because everything that I do parce que tout ce que je fais has to be, we talked about the other day, on a parlé de ça l'autre has jour. To be represented while I'm gone. Tout ce que je fais, ils doivent représenter cela pendant if you que je represent voyage. Jesus Christ si tu représentes and Jesus you don't preach Jesus, mais tu ne prêches pas Jésus, it gives a bad name for Jesus. Ça donne un mauvais nom pour Jésus. So as ministers, we're all called to minister. Donc, en tant que ministre de Dieu, as ministers of Christ, we must represent the word. Nous devons représenter la parole. Not our own doctrine. Pas notre propre doctrine. Not something we heard. Pas quelque chose qu'on not a entendu, a style or fashion. Pas un style ou une mode. Everywhere I go, it's the same. Mais partout où je voyais, c'est la même chose. I go to Africa. Quand je pars en Afrique. And I'm like, oh my God. Et je dis, oh mon Dieu, c'est quoi? I was preaching one place. Je prêchais dans une place. And a man was hopping across the pulpit like a dog. Et un homme était en train de sauter comme un chien. I said, what in the world j'ai is dit, this? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? And I got up. Et moi, je me suis and I said this. Et j'ai dit ceci. I may not hop like a dog. Peut-être je vais pas sauter comme but un when chien, I release this word, mais quand je libère cette parole, all the antics toutes les and all the acts will be et forgotten. Les actes, and you will remember the power of God et vous that allez came. Vous souvenir de la puissance de Dieu qui est sorti. When I preach, he began to tip out of the room. Il est sorti en cachette. The power of God is greater than anything you can learn. De Dieu est plus grand que tout ce que tu peux apprendre. In the cemetery, dans les cimetières, oh, excusez-moi. Seminary. Dans les séminaires. Not cemetery. Pas les cimetières. It's the spirit that makes us alive. C'est l'esprit qui nous donne not la vie. Not doctrine. C'est pas le doctrine. What is my doctrine? Quelle est mon doctrine? Rien d'autre. Nothing else matters. Rien d'autre compte. Ah, débauché. Qui débauché? It is the fire. C'est le feu. That changes. Qui change. Not a collar. Pas un col. I was in Congo preaching to a group of pastors. J'étais au Congo, je prêchais à un groupe de pasteurs. And a man had a, you know, the covering et here. Il y avait un homme qui portait le chapeau, la couverture. And I said, are you a Jew? Et j'ai dit, oh, est-ce que tu es juif? He said, no, I'm a bishop. Il a dit, non, je suis un bishop. I said, I'm an apostle, so I should wear a big hat j'ai then. J'ai dit, moi, je suis un apôtre, donc je dois porter un gros chapeau. I said, so I should recognize you by the power and anointing, dit, not by a hat on your head. J'ai dit, je dois te reconnaître par la puissance et l'onction, pas par un chapeau que tu portes. Et qu'à l'avancer. Fire le comes feu, from the word. Le feu vient par la parole. Healing comes from la guérison the word. Vient de la parole. We were in our office nous étions dans le bureau 2 weeks ago and il y a deux semaines, I was getting ready to go home et je me préparais pour rentrer I chez called moi. Out a condition of the eye et j'ai appelé une condition de l'œil degeneration une maladie de l'œil and no one answered et rien y a personne qui a répondu when I got in the office mais quand je suis rentré there dans was le a bureau, pastor in my office il y avait un pasteur I dans realized mon bureau, that she was the one who had the problem et j'ai pas réalisé que c'est elle qui avait ce problème I prayed in the according to the word of God et j'ai prié selon la parole de Dieu and watch this et regardez when you pray quand tu pries you pray tu pries when you heal mais quand tu guéris you heal. Tu guéris. Don't pray for healing. Il ne faut pas prier pour la guérison. Heal in the name of Jesus Christ. Guéris au nom de Jésus Christ. Prayer is a hope, but la when you say, I heal espères. You in the name of Jesus mais quand Christ, tu dis, je te I heal you according to the power of Jesus Christ. Je te guéris selon le pouvoir de Jésus Christ. Satan, the Lord rebuke you. Et tu dis, Satan, I'm le not Seigneur pray you out. We're going to cast you out. Je ne veux pas prier qu'il sort, on va te chasser. And so,
I laid hands for healing. I gave her instructions. Donc j'ai imposé les mains pour la guérison. J'ai donné les instructions. She and her husband went on a cruise. Et elle et son mari sont partis en vacances. On that Monday, the doctor called. Et le lundi, le médecin a appelé. And said she was completely healed. Et a dit elle était complètement guérie. Who healed her? Qui l'a guérie? Who healed her? C'est qui l'a guérie? The Word. La parole. Christ. 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 I'm about to close. Je vais clôturer. I dare you. Je vous ose. To challenge the word of God. De défier la parole de Dieu. I dare you. Je vous ose. I dare you to put a mandate on the word of God. Je vous ose de mettre un mandat sur la parole de Dieu. I dare you to trust God in Je your tithing. Je ose de vous confier en Dieu dans vos avec vos dîmes. Did I say tithing? Est-ce que j'ai dit la dîme? Yes, we do. Oui. We do. Oui, on le fait. Here's what the Bible says. Voici ce que la Bible dit. In the New Testament. Même dans le Nouveau Testament. Because it's not Old Testament. Parce que tradition. Ce n'est pas seulement la tradition de l'Ancien Jesus Testament. Said, Jésus a dit. I'm gonna let my daughter teach. Je vais laisser ma fille enseigner. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 et verset 23 que vous les pharisiens vous donnez. Wait, who said this? Jésus. C'est okay, Jésus qui okay. l'a dit. Wait a minute. So Jesus said, Donc Jésus a dit, if you're my friend, si vous êtes you mes will amis, keep every commandment that I speak. Vous allez suivre tous les commandements que je vous ordonne. If you're not his friend, then you're his enemy, right? Donc si tu n'es pas son ami, tu es son ennemi, n'est-ce pas? So let's see what Jesus said we have to do. Donc voyons ce que Jésus a dit qu'on doit faire. Jésus a dit, vous les pharisiens, vous donnez vos dîmes de anis, de cumin, de tout cela. Mais vous avez oublié ce qui est le plus important, qui est la miséricorde, l'amour, la fidélité. Donc il a dit, ces choses, il faut le faire sans négliger la première chose qui est la dîme. Donc Jésus a ordonné de toujours continuer avec la dîme dans le Nouveau Testament. See, you're very intelligent. You understood that. Vous êtes très intelligent, vous avez compris cela. So he said, do not abandon the tithe. Donc il a dit, n'abandonnez pas la dîme. When did it change? Donc c'est quand qu'il a changé cela? Man's doctrine. Dans le doctrine des hommes. It never changed. Jesus said, do. Mais Jésus l'a jamais changé. Il a dit de And le he faire. Promised that he would open the windows of heaven. Et il a promis qu'il va ouvrir les écluses des cieux. He promised that you would have overflow. Et il a promis que tu auras le débordement. Look, I said Tyler. Quand j'ai dit la dîme, les gens se sont renfermés. You don't have to get mad at me. Jesus said it. Tu n'as pas à te fâcher contre moi, c'est Jésus qui l'a dit. And when you do it, Et quand your tu le life fais, will change. Ta vie va changer. Oh my God. Oh mon Dieu. I don't have money, but I have everything that I can ever dream of. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai tout ce que j'ai rêvé. I don't have money. Je n'ai pas l'argent. But I have everything. Mais j'ai tout. No, I mean literally, I have non, everything. Je dis littéralement, j'ai tout Because ce que I've je been, veux. I've been tithing and been tithing. Parce que je God. Continue à donner la dîme, je donne la dîme trust et je me confie en God. Dieu. God, watch what he will Confie do. Toi en Dieu et tu verras ce qu'il fera. And he said to do it. Et il a dit de le faire. If he said do it, then do it. S'il a dit fais-le, Whatever donc Jesus fais-le. Says, do it, do it. Tout ce que j'ai dit, you dit want to see your family blessed? Tu veux voir ta famille bénie? Do you want to see your family blessed? Est-ce que tu veux voir ta famille bénie? Do you want to see your family blessed? Est-ce que tu veux voir ta famille bénie? Do you want to see your ministry blessed? Est-ce que tu veux voir ton ministère Do you want to see your life blessed? Tu veux voir ta vie bénie? Trust God. Donc confie-toi à Dieu. Daughter, ma fille. Don't ever stop teaching this. N'arrête jamais d'enseigner cela. In season, out of season. En toute saison, I don't care if they like it or don't like it. Je m'en fous s'ils aiment ou pas. It's there to bless. Et c'est pour bénir. I charge you. Donc je vous charge. To do what God says do. De faire ce que Dieu dit stop de faire. Stop putting your fruit in bad ground. Arrêtez de mettre vos fruits dans la mauvaise terre. I don't care if it's your family. Je m'en fous si c'est ta famille. If they don't trust God. Si la famille ne se confie pas en Dieu. Why would you give? Pour toi vas-tu leur donner? They need to go through. Ils doivent traverser. The same way you did. Les mêmes tribulations comme toi. And they'll find that God will save them too. Et c'est là qu'ils vont voir que Dieu va leur sauver aussi. Amen. Amen. This is real doctrine. C'est le vrai doctrine. So Father, we just thank you, Lord. Donc Père, nous te remercions, Seigneur. That this word is sealed. Que cette parole est scellée. And God. Et Dieu. May it endure in their hearts. Que ça dure dans leur cœur. My daughter, take this doctrine. Ma fille, prends ce doctrine. And run. Et cours. May every man of God and woman of God. Que tout serviteur et servante de Dieu. And run. Prenne ce doctrine et cours May avec. The fire of God. Que le feu de change Dieu. Ministries change le ministère. Out of all the religion. Et qu'ils les en sortent de toutes les religions. God, et qu'ils ont dans la puissance de Dieu. God, dans l'onction de Dieu. The holy chamber of God, dans la chambre sainte where the de holy Dieu. Of holies, dans les saints des saints. Avec God le feu de Dieu. Still burns to this day. Où le feu Let de Dieu brûle in our hearts. Que ça brûle dans nos cœurs. Que ça brûle Let dans it nos veines. Que ça guérit toutes molécules de nos cœurs. De nos corps. In Jesus mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you so que much. Dieu vous bénisse.
God bless you.